Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, je m'appelle Manuela, j'ai créé cette chaîne pour parler de cheveux, pour parler de sport, fitness en globalité et d'autres sujets de la vie, ça viendra avec le temps. Dans cette vidéo, c'est plus une vidéo axée cheveux, donc c'est pour ça que j'ai cette dégaine là, parce que c'est mon wash day. Et j'aimerais vous montrer comment je procède durant mon wash day en utilisant un pré-pour. Alors c'est quoi un pré-pour? Un pré-pour c'est un soin qu'on fait avant le shampoing. Généralement, avant je le faisais avec des huiles. Mais dernièrement, j'ai beaucoup vu en pré-pour sur Instagram et du coup j'ai voulu l'essayer. Donc il s'agit de ces pré-pour. Je ne sais pas si vous connaissez, il s'agit de ça. Donc en fait, le but ici, c'est d'utiliser un produit gluant. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, un produit qui va faciliter le démêlage. Donc, ce produit, il est assez gluant. Donc voilà la texture du produit. Voilà un peu. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment appliquer ce produit pour mes cheveux, faciliter le démêlage. Donc, là, j'ai fait mes cheveux il y a 3-4 jours. Donc, mes cheveux sont comme ça depuis 3-4 jours. Donc, ici, avec vous, je vais juste me démêler les cheveux. Enfin, appliquer le pré-pour, pardon. Hop. Voilà. Voilà. Je range un peu ma caméra. Donc voilà l'état de mes cheveux. Ils ne sont pas très secs, non, ils ne sont pas secs, mais je crois qu'ils sont quand même emmêlés. Je pense que mon dernier soin date de lundi dernier, donc ça fait plus de 7 jours, je n'ai pas hydraté mes cheveux, donc ça me rassure que j'ai une très très bonne méthode d'hydratation. Je n'ai pas besoin de réhydrater mes cheveux en semaine. Je vous montrerai de toutes les façons les produits que j'utilise dans des prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Alors moi, avant d'utiliser un produit, j'essaye de lire au maximum les directions sur donc là sur les produits, il y en a toujours comme ça. Donc j'essaye de lire et j'applique selon ce qu'ils disent. Donc ils disent avant le lavage, appliquez une quantité généreuse sur les cheveux secs et répartissez uniformément à l'aide des doigts ou d'un peigne. Démêlez les cheveux plus, rincez-le abondamment. Pour les cheveux particulièrement secs ou emmêlés, laissez agir 15 à 30 minutes avant de rincer. Appliquez ensuite le shampoing. Ok. Appliquez sur cheveux secs. Donc mes cheveux, ils sont secs. On est d'accord. Pour mon wash day, je divise toujours mes cheveux en sections. Voilà, pour faciliter le démêlage et pour réduire la casse. Et ce peigne-ci, sinon si vous avez un peigne à dans l'âge, oui, on est d'accord qu'on n'utilise pas ce genre de peigne parce que ça facilite la casse des cheveux. Donc, on est d'accord. J'aimerais aussi préciser pourquoi utiliser un produit gluant, parce qu'en fait, ça facilite le démêlage tout simplement. Tout simplement, c'est ça. Ce produit, c'est un peu pricey. J'ai acheté sur Amazon France. Je vais vous laisser le lien dans la barre de description, de toutes les façons, à 15 €, alors que sur Amazon.com, ça coûte 100 $. Voilà. Donc, je vais plus racheter le produit, honnêtement. Je l'ai déjà utilisé, donc là, je vous montre en vidéo le résultat et tout, parce que je ne l'avais pas filmé. Donc, du coup, je ne rachèterai pas. Bon, il me reste cette quantité, ça sera la deuxième utilisation pour mes cheveux. Je ne rachèterai pas. Pas parce que le produit n'est pas bon, vous verrez le résultat de toutes les façons, mais parce que c'est trop pricey, tout simplement. Donc, il y a des recettes maison. Donc, moi, j'ai mes petites recettes maison, donc je peux vous mettre ça dans d'autres vidéos si vous voulez. Dites-moi juste en commentaire, parce que ce produit à 18 €, voilà. Mais si vous avez les moyens de vous en procurer, pourquoi pas. Donc là, je vais juste mettre mes cheveux en section. Voilà. Donc j'utilise toujours mes petits
chouchou là. Toujours, toujours travailler en section, c'est très très important pour réduire la casse. Si vous ne savez pas, pour avoir une très bonne pousse de cheveux, il faut tout faire pour réduire la casse. Faut pas juste chaque jour chercher les méthodes, les moyens pour faire pousser les cheveux si on a de la casse. Honnêtement, ça sert à rien. Si tu as une bonne routine, tu as des très bons gestes, honnêtement, l'essentiel, c'est vraiment de retenir la longueur. Et moi, c'est mon objectif ultime. Retenir la longueur. Bon, maintenant, quand je sectionne mes cheveux comme ça. Donc, voilà le produit. Il est comme ça. La texture gluant comme ça. Ok. Bon, je vais l'appliquer sur mes cheveux. Je remonte comment j'applique et vous voyez, ça facilite le démêlage. Je commence toujours à démêler en bas, comme ça, tout en bas, sur les pointes avant de remonter à la racine. Voilà. Donc voilà. Je démêle mes cheveux bien au doigt, bien, bien au doigt avant de repasser mon peigne. Ok? Le but, c'est vraiment de réduire la casse au maximum. Ça va être l'objet. Donc là, j'ai appliqué sur une section. Voilà le résultat. J'ai pas démêlé avec le peigne, uniquement au doigt. J'utilise de moins en moins le peigne. J'utilise le peigne vraiment quand c'est nécessaire. Enfin, la brosse ou le peigne à dents large, bien sûr. Vous voyez? J'aime bien. Ça définit mes boucles. Donc là, je vais passer devant. Donc là, voici la perte. Donc voilà la perte que j'ai eue en démêlant. Je ne sais pas si vous voyez, en le démêlant sur cette section. À la fin, je vous montrerai tout ce que j'ai perdu. L'objectif, c'est vraiment de perdre moins de cheveux durant le démêlage. C'est ça l'objectif. Et entre-temps, je dois me couper les cheveux parce que là, j'ai beaucoup de pointes fourchues. Je dois vraiment couper mes cheveux en urgence. Donc, c'est ça qui fait en sorte que les cheveux se cassent aussi beaucoup plus qu'on a les pointes pas coupées. Là, je vais teigner avec mon chouchou pour que ça ne se mélange pas avec les autres cheveux. Je vais juste teigner ça comme ça. Et je passe là. Ok. Donc là, je travaille toujours en petite section. Je vous jure, durant le wash day, les bons gestes, c'est la base. Ok, c'est vraiment la base. Bon, là, mes cheveux sont secs, je les démêle pas secs. Donc là, j'applique mon produit. J'essaie de séparer comme ça, tout doucement. C'est pour ça que vraiment, pour laver ses cheveux, donc avant de s'engager pour un wash day, honnêtement, il faut avoir assez de temps pour prendre du temps pour ses cheveux. Parce que si tu es pressé, voilà, c'est la cata, hein, tu n'auras pas le temps de démêler tes cheveux. Je n'aurai pas assez de patience de toutes les façons. Moi, en tout cas, quand j'ai pas le temps ou quand j'ai la flemme, je touche pas mes cheveux. Non. Parce que quand tu as la flemme, bah, tu es pressé, tu veux pas prendre ton temps pour faire les choses. Comme ça, tu casses énormément tes cheveux.
Et après, tu m'as dit, j'utilise l'eau des girafes, l'huile d'ail, l'huile d'oignon, je vois pas le résultat. Bah, c'est parce que tu les utilises, ça stimule la pousse, mais tu ne retiens aucune longueur. C'est ça le problème. Avant, moi aussi, je suis passée par là, hein, voilà. Mais je me suis rendu compte que les bons gestes, c'est la base. Tu peux avoir les bons gestes et pas de. Donc, du coup, j'ai appliqué le produit sur une bonne partie. Voilà. Regardez comment. Regardez. Honnêtement, ce produit, pour moi, c'est un 10 sur 10. Ça fait son travail. Honnêtement, ça fait son travail. Mais c'est juste les prix. Non, je peux pas racheter ce produit à 18 euros, sachant qu'on vend ça aux US à 5 dollars. Surtout que, voilà, je peux me faire pareil en DIY. Donc, je peux faire avec d'autres produits faits maison. Si j'ai un bon plan pour ce produit, je rachèterai. Mais si je n'en ai pas, je peux plus racheter à 15 euros. Non. Je pourrais pas. Et pour deux utilisations. Je vous remontre comment j'applique. Là, je mets juste le produit. Je laisse mes cheveux absorber le produit. Je ne démêle pas encore. Je mets juste. Et comme le cheveu a bien absorbé, maintenant je peux démêler. Donc là, je commence là. Et je les sépare tout doucement. Voilà. J'ai pas trop de nœuds. J'en ai pas beaucoup. Mais je prends quand même le temps de bien démêler. Reste pas beaucoup. Je vais prendre un 2. Regardez. Prendre vraiment le temps de séparer. Si tu maîtrises le démêlage, honnêtement, il n'y a aucune raison de ne pas voir la pousse des cheveux. Aucune raison. Éviter la casse, c'est la base. Ça devrait être la priorité pour tout le monde. Éviter la casse. Parce que, de prime abord, le cheveu pousse chaque mois. T'as une pousse, mais faut être juste capable de retenir la longueur. Ok. J'aime ce produit, hein. Honnêtement, j'aime. Active les boucles comme ça. Donc, il me reste cette petite portion. Et voilà. Je vous montrerai tout ce que j'ai perdu comme cheveux. Je rappelle que je n'ai pas utilisé un peigne, juste mes doigts pour démêler mes cheveux. Juste mes doigts. Peut-être durant mon shampoing, je passerai le peigne. Mais là, je veux retravailler par section. Je ne sais pas si je ferai une vidéo dessus parce que c'est vraiment important le démêlage. Hein. Honnêtement, durant le wash day, c'est vraiment important. Je verrai si je vais vous faire une routine complète. Parce que là, c'est juste une étape, c'est juste le pré-pour. Après le pré-pour, je ferai le shampoing, l'après-shampoing, je ferai un masque. Voilà. Moi, je fais toujours l'après-shampoing. Il y en a qui ne font pas, donc ça dépend. Moi, ça me plaît de le faire. Mes cheveux adorent. Quand tu trouves les produits
Adapté à tes cheveux, honnêtement, rien à faire. Hein. T'es au top. Hein. Tu finis tes soins, tes cheveux sont doux. Voilà. De toutes les façons, je vais filmer ma routine complète et peut-être je posterai, pas sur cette vidéo parce que ça me ferait une très très longue vidéo. Voilà. Ça, c'était juste pour vous montrer comment je démêle mes cheveux avant le shampoing. Avec un prêt pour acheter. Parce que très souvent, mon prépoux, c'est à base toujours des produits de Milan, mais DIY, je mélange des trucs moi-même. C'est vrai que je pouvais un peu mélanger aussi ces prépoux avec des poudres, des démêlantes. Pourquoi pas? Ça devrait être une bonne idée. J'ai l'habitude de le faire. De toutes les façons, je vous ferai une vidéo dessus. Ok? Voilà. Voilà le résultat final. I don't know if you see the bouncing curls. I don't know. Are you seeing it? Are you seeing the bouncing curls? Are you seeing? I mean, are you seeing the bouncing curls or not? Ce produit est juste magnifique. Voilà. C'est trop bien, trop top. Donc là, c'est terminé. Je vous montre la casse que j'ai eue. En toute honnêteté, hein, voilà. Voilà la casse que j'ai eue. Voilà, je vous dis. Quand tu maîtrises ton démêlage, c'est la base. Et si je peux faire au doigt, et si tu veux passer ensuite le peigne, il n'y a pas de souci, hein, ça va passer. Mais déjà, prendre le temps de bien passer les doigts, les séparer. Surtout quand les cheveux sont en milieu, les séparer, les séparer. Hello les filles, là je vous montre le résultat de mon prépôt sur mes cheveux. J'adore, mes cheveux sont bouclés, malléables, voilà. Ce produit il est top avec la texture qui facilite le démêlage. Donc, mais je ne le rachèterai plus parce que c'est un peu pricey pour moi. Donc du coup, les prochaines fois je ferai un DIY avec des textures pareilles. Donc dites-moi si vous êtes intéressés, là je posterai sur ma chaîne. Pour un produit pareil, on va débourser maximum 10 euros pour plusieurs utilisations. Alors, je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Bye!